Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3. Alors, je sais plus du tout. Je crois que j'avais déclaré une guerre à je sais pas qui. Ah bah voilà, c'est écrit là. Contre. Oui, l'Italie, c'est ça là, qui avait piqué. Il m'avait piqué le comté de Guinness. On va s'empresser de reprendre d'ailleurs. Mais je suis en train de réfléchir là. Pourquoi je prendrais pas tout simplement? Regardez-moi ça. Je vais prendre hop, la banque du corps. Et je vais leur demander à eux de faire un siège pendant que moi je vais. Je vais aller en. Je sais que j'ai une terre par là, mais c'est où? Voilà, c'est ici. À Sudgo, Colmar. Saint-Go. Je sais même pas comment ça se prononce, ça c'est lent. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont arrivés, ils ont l'air arrivés. Ouais, je vais aller là-bas. Parce qu'hélas, je vais très certainement devoir aller sur Turin. Voilà, donc là ils font leur petit siège tranquillo. Mathieu de Hugno a amélioré sa prouesse de 1. Eh ben dis donc, c'est bien ça. Il est plutôt déjà badass, hein. Pas méga bon pour rien, ça. Apprentissage de la langue réussi. J'ai réussi à apprendre le néerlandais. Ça tombe bien. Hop là. Et si j'apprenais l'écossais? Le gaélique, pardon. Hop, c'est ce que je vais faire. Du roi Domnal. Oh, on peut même demander de l'or, parfait. Ça va m'aider. Est-ce que j'ai des bâtiments à faire? Non. Walter est mort. Dans mes cachots. Bah ouais, personne qui voulait payer ta caution en même temps, c'est pas ouf quoi. C'est pas de chance. Allez, direction Turin. Tolino. Et si. Attends, je vais juste voir. C'est le passage dans la montagne, hein, forcément. Je vais juste voir si j'ai pas un passage qui me. Non. Bon. Turin, voilà. Petit port a été construit en Léon. Faire un port normal. Attendez. Normalement c'est censé m'afficher. Alors à moins que j'avais pas assez zoomé, mais c'est censé m'afficher quand je peux construire un truc là. Bizarre. Je vais vérifier un par un. Quoi, pardon? Il y a un port à Alençon? Non. Dans, en pleine terre, ça m'aurait paru bizarre quand même. Un peu comme si tu me dis là, il y a un port, tu vois. J'y crois moyen. Ok, le siège continue pendant que là, je rentre en Italie. Traverse les montagnes en plein hiver. Oh, quelle idée de merde. Traverser les Alpes en plein hiver. Oh, scribe. Envoyez un mot de remerciement. Le roi Domnal, celui que je m'efforce d'imiter dans mon apprentissage de la langue gaélique, m'a envoyé plusieurs lettres dans lesquelles il salue mes efforts, les qualifiant de respectable et d'admirable. Merci à toi.
comment il est au courant, je ne sais pas, mais... En Pentièvre, le bâtiment a été construit. Tiens, j'irai faire un œil, jeter un œil juste après. J'ai commencé le siège de Turin, mais il n'y a personne pour défendre. Alors, à moins qu'il y en ait qui soit passé par là. Même pas. Hein. Bon. Saint-Brieuc. D'accord, il n'y a personne, hein. Ils sont où les Italiens? Déjà en guerre, hein. Ah ouais, il subit un petit... petite révolution interne. On arrive au bon moment. À moins qu'il en ait profité, au contraire, que ce soit l'inverse, quoi. Qu'il ait profité du fait que je réclamais les terres pour lui-même réclamer l'indépendance. C'est possible. Bon, ici c'est bientôt fini le siège. 400 quand même, c'est costaud. Hein. Attends, il vient me prendre mes terres là, juste avant que je les conquis. Je crois conquis. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai une revendication qui se fait. J'irai à. Oh non! Alors, du sang et de la salive. Apparemment, Hélène a craché dans l'assiette de mon fils Mathieu il y a quelques jours. Hélène de Lille, votre vassale. On dirait que Mathieu essaie de fatiguer Hélène en refusant de réagir à ses brimades. J'apporte le nom de froid où Hélène le traite de morveux ou le gifle. C'est bien, il est calme. C'est pas mon héritier donc c'est pas très grave. Il peut être calme au contraire, ça sera pas mal. Ok. Parle italien vulgaire. Ouais. Je pourrais apprendre la langue tchécoslovienne. J'ai parcouru, oui, bon, oui, j'ai une petite. Une petite revendication, c'est bien ça. On va continuer, par contre, ouais, ils sont vraiment fait prendre par la Lotharingie, là. Ah, ouf. Mais la Lotharingie, ils sont en train de bouffer tout... Oh, terrible. Vous contrôlez maintenant Guinness. On va l'envoyer en renfort à Turin. Par contre, ça va être chiant de faire tomber l'Italien. Ça risque d'être très long. Collecte de résine à Rennes. On va faire un terrain de chasse. Parce que là, comptez occuper. Ouais, j'irai chercher des terres un peu plus... j'ai réussi à prendre l'héritier du roi. Plus la reine. Bon, c'est propre ça. Je vais aller prendre les terres au bord... au bord des frontières, j'aurai un meilleur ravitaillement. Là ouais niveau ravitaillement c'est pas ça doit pas être terrible. Ça va, il me reste des provisions. Voyons voir. 200 à la vache. Faille juridique, acheter une revendication, ça c'est bien ça. Ça me permet de pas attendre l'accord du roi pour
revendiquer quelque chose. Par exemple, là, je vais revendiquer l'Aquitaine, je fais autre. Acheter une revendication. Bon, j'ai pas la foi. Ça coûte autant de foi, hein, mais avoir une revendication fragile sur le duc d'Aquitaine, etc. J'ai appris le gaélique. Je connais le sarde, pourquoi pas le sarde, allez. Je peux renseigner des prisonniers, ouais, j'ai la reine et l'héritier quoi. Oh là 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 là. Mais ils ont pas assez d'argent, ils sont pauvres, ils sont ruinés aussi. Il est malade. Ah. Bon, je dois encore prendre quelques duchés, ça c'est c'est problématique. Est-ce qu'on a un objectif? Moi j'en ai qu'un objectif en vrai. Je vais en occuper plus des duchés. Hein. Est-ce que je peux. Ouais, mais c'est. Pour un hameçon. Un hameçon faible? Ah non, hors de question. Ça aurait été un hameçon fort, je dis pas non, mais là un hameçon faible contre son gamin. Bah, il va rester longtemps chez moi son gosse, hein, je vais vous le dire. Qui es-tu? Ils ont le pack. Je sais même pas qui c'est. Qui es-tu? Tu es personne. Il est sans terre. Ouais, bah tant qu'il est pauvre, il récupérera pas son gamin et sa femme, quoi, c'est pas grave. J'ai pris le gamin et l'héritier et la femme, quand même. Oh, c'est ouf. Que là. Ouais, faut pas que ce soit l'otaire qui. Enfin, là. Que ce soit la lotharingie qui récupère tout. Hein. Attends, quoi? What? Attends, what? Hein? J'ai. Ah, j'ai interverti les deux. Erreur de ma part. Oula! Revendication au chef de foi, ça m'intéresse pas. Là, va falloir que j'aille l'aider vite. Hop, le siège, bon, ça arrive des mercenaires. On a pris Genève, on a gagné un peu d'or, et là, je vais vite aller l'aider. Je vais passer par le nord du lac Léman. Ok, bon, il a compris que c'était pas une bonne idée. Par contre, si je peux aller le battre, Louis le Jeune. Ah, dirigeant Louis le Jeune. Alors, c'est lui ou pas qui est la tête de ces troupes. Bon, encore une fois, évidemment, quand on est dans les Alpes, c'est toujours l'hiver. Ça fait 2 saisons que ça dure, là. Je vais aller le combattre. Hein. Je pense que là, si je remporte une victoire contre lui en plus, il va pas aimer la blague. Ok, c'est bon. Je devrais gagner. Là, en plus, je suis dans les montagnes, donc très compliqué. Et une fois la bataille gagnée. Je devrais réussir à lui faire signer la paix. Obligé de signer la paix. Oh, il a des sous. Oh, il a beaucoup de sous. Et en même temps, je contrôle Aosta. Alors. Il a beaucoup de sous. J'ai juste à attendre un pouya là qui me paye. Là, dès que le tour. Voilà, le calcul du tour est passé. Hop, je le rançonne.
Non, t'en mets du temps, toi, à étudier la proposition. Voilà, il a accepté la rançon. Il m'a payé 200. La vache! J'aurais quoi en faire des champs avec. Hein. Merde. Ah, je savais pas ça. Bah, tiens, j'irai prendre quelque chose. C'est que je peux plus faire la paix vu que j'ai plus mon prisonnier. Je vais le poursuivre. Je vais le poursuivre et je vais essayer de faire le roi prisonnier. Hein. Je crois que j'ai fait une petite bourde là. Des choses qui arrivent, hélas. Va le poursuivre. Oups! Oupsi! Oh purée! Oh, je loupe pas une. Ok, j'ai un meilleur contrôle. On va augmenter le contrôle. Alors, voyons voir, il y a quoi? Il y a combien? 80, 29. Ouf. Cornouaille, ça va se faire tranquillou. Augmenter le contrôle là. Puis Rennes devient normand petit à petit. Enfin, la culture normande devient en Rennes petit à petit. Hostile, ouais, je m'en fiche. J'arrive pas à choper, hein. Il a fui vraiment rapidement, le salaud. Pour venir se battre, il est pas là, mais pour fuir. Il est rapide. Hein. Attends, quoi? Ah ouais, en plus, il est en sécession interne. Ah ouais, non mais. Ça va lui faire du mal. Je vais pas rançonner la reine, sinon je vais galérer. Voilà. J'ai capturé cette fois le bourgmestre. Très bien. Et là, je peux signer la paix. Ok. Ça fait 2 ans. 2 ans de guerre pour récupérer un petit comté, c'est vraiment pas terrible. Hop là. Donc j'ai battu le royaume d'Italie. Bien joué à toi la Normandie. Bien joué à vous les Normands. Nous sommes les Normands, fiers et conquérants. Je peux rançonner des prisonniers? Le bourgmestre. Allez, une petite rançon là. Sa reine, on va la garder. Alors, on va la... Attends. Parfait. La reine, on va la garder pendant un temps. Oh la vache, on joue, il a grandi de fou, hein. Alors, acheter une revendication... sur le duché d'Anjou. Que je peux demander une revendication, il refuse le pape, donc je vais acheter la revendication en espérant que ça me donne ce qu'il faut sur le duché d'Anjou. J'espère que j'aurai une bonne revendication et pas un truc que j'ai déjà. Bah si, le duché d'Anjou, ah, ça m'a donné ouais non c'est ça m'a donné le duché d'Anjou. Bon, c'est mieux que rien. Je vais attendre un petit peu que mes armées aient le temps de revenir parce que là elles étaient loin. C'est quoi ça? Révolte paysanne. Oh, ok, je m'en fiche. Oh, mais ça c'est bon une révolte paysanne. Enfin, c'est bon pour moi ça. Si le royaume de Lothaire peut se morceler un peu. Et là, mine de rien. Ok, j'ai appris le sarde. Je vais apprendre le britonique. Le breton, en gros. Mais maintenant que c'est plus la Bretagne, je peux l'apprendre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, alors, invitation à l'activité chasse du comte Herbert. Je vais me joindre à la chasse volonté. Volontiers. Elle est où cette chasse? Elle est là. Ok. Je vais y emmener un diplomate, un ambassadeur culturel. En septembre,
Je suis pas sûr que je puisse personnaliser, ça met trop de temps. Hein. Ça met trop de temps. Je vais y aller après. Hop, donc on va passer à Aix-la-Chapelle. Au retour, hein, on va passer par le Luxembourg. C'est tout, c'est vraiment. Pas grand chose, hein, en tout cas, ici, hein. Pas encore grand chose. Ce qui serait bien, c'est que je passe là. Mode de vie martial, martial, martial. Mais ce sera pour plus tard. Là, il y a un truc derrière, je saurais pas ce que c'est, mais il y a un truc affiché, mais on peut pas. De toute façon, c'est à mon retour, donc c'est pas très grave. Temps de trajet total de moi. Est-ce que j'embauche des mercenaires? Oui, allez hop. On accepte. J'entre en régence, forcément, mais ma femme est désintéressée, donc elle s'en fiche un petit peu de faire. D'avoir trop. Enfin, elle veut pas prendre la tête de royaume, donc elle va pas faire trop de bêtises. Ok, je suis arrivé, on va attendre un petit peu. Comme d'habitude. Alors que je prépare ce qu'il faut contre ah zut contre eux, là le duché d'Anjou. Alors que le soleil se lève, le bourgmestre Hugues rassemble l'équipage sur le camp dans les plaines près de Corbie. Les gardes-chasse locaux ont parcouru les environs à la recherche de traces visuelles. Mais on a déjà fait une chasse ensemble. Hein. Hop, on va enchaîner alors. Oui, c'est vrai, ça me revient maintenant. Alors, j'ai embauché un maître de chasse. Je vais embaucher un peu de ce que je peux en antiquaire. Un bouffon. ah oui, c'est bon. Mon bouffon sera ma femme. Et la princesse de France. Opinion. Ah ouais, non, on va éviter. Non, elle va pas aimer. Hein. Elle a pas aimé la blague. Bon, on va éviter parce que sinon elle va pas m'aimer. Elle a pas trop le sens de l'humour. Ça me fume. Evan, c'est pas moi, on est d'accord. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Non, mais ça, c'est des fleurs, on s'en fout. J'en ai déjà en plus des fleurs tressées, donc. Maréchal impressionne un vassal. Bien joué, le maréchal. Allons-y. Pas du tout ce que c'est comme bestiole, par contre, j'ai oublié de regarder. Hein. J'aurais peut-être dû faire attention, en vrai. C'est pas grave. La chasse échoue, le plan ne servait à rien. Ah, bravo. Une leçon de charité, inconstant. La discrétion du complot. Non, non, on va faire. Généreux, même si ça me fera gagner moins de. Oh la vache. Bon, c'est pas mon héritier, heureusement. Ça me fait gagner du stress, mais que je vais perdre de suite avec la chasse, normalement. Ouais, c'est ça. Parfait. Voilà, pendant ce temps-là, il va continuer sa petite route. Duc d'Anjou, duc d'Anjou.
La reine est là, mes chers. Elle vous permet-il en échange de cette offre? Oui. Oui, maintenant que t'as de l'or, me donner. Bon. Je ne suis pas intéressé. Quoique. Carte de stress plus 15%, oui, c'est ça. Obtenez voyage mauvais présage. Ah bah super. C'est pas grave. Une chance sur deux. Il est connu que les habitants du Luxembourg vouent une dévotion particulière à leurs chevaliers et entretiennent leur légende. Monseigneur, dit un chevalier inclinant la tête, c'est une chance pour moi et pour vous que nous soyons rencontrés à ce carrefour, car je suis à la recherche d'une fontaine merveilleuse. L'eau qui est censée guérir, blablabla. Ah ouais, faut que je l'aide. Non, non, tu vas venir avec moi, Fabrice. Tout cas, très sympa le Luxembourg. Duel exigé. Eh ben, viens, hop, ça on l'a déjà vu, hein. Il rejoint ma cour. C'est bien, ça fait plein de monde dans ma cour. Bon, le côté négatif, c'est que s'ils sont pas cool, ça c'est pas. Essayez de vous obtenir de l'or, dépenser 100, c'est un abus de pouvoir qui a causé 10 de dissension auprès des. Ah bah bravo. Putain, c'est pas vrai ça. Non, je m'en fous. C'est qui ça, élite le truc machin? C'est mon chevalier? Ah ouais, oui. Oh. Ouais, bah sois mon copain, écoute. Quoique. Scélérat perfide. C'est absurde. Bon, elle a fait de la merde, ma femme là. Grâce à Dieu, je peux rentrer. On est en hiver. La régence est terminée. Heureusement. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les terres du duc d'Anjou. Oh la vache. Il y a des bonnes terres, hein, ça vidéo. Alors. Vous pouvez modifier le contrat de votre vassal, le comte. Partition obligatoire. Grâce à mon hameçon. Pas mécontent. Bon, opinion du compte, moins 5, ça je m'en fous. Et duc d'Anjou, choisir la revendication, duché d'Anjou. Il a pas d'allié. Mince, j'apparais peut-être un pouille à loin. Allez, on va aller là-bas. Vouloir me piller quoi, le Mans? Maintenant, hein. Certainement. Ah. Hop, on va le rattraper. On gagne facilement en plus. Hop, stop, je peux éduquer mon autre gamin. Ah non, bah non, je suis pas là. Mais ce sera ma femme qui va l'éduquer alors. Allez. Ici, je vais flatter. Hein. Ah, c'est le duc d'Anjou en plus. Ah, si j'arrive à l'attraper, je pourrais faire terminer le conflit maintenant. Oh la vache! Oh, j'ai capturé un nombre de comptes. Oh. J'ai pas de mercenaires, moi. Ils sont pas barrés, quand même. Si? Non. J'étais persuadé d'avoir une autre troupe de mercenaires quelque part dans le temps.
Résistant aux colons, résistance à l'admiration. Voilà. J'ai installé les assiégeants. Et donc là, si je me trompe pas, maintenant que j'ai installé les assiégeants, je peux genre aller là. Oui. Je vais par ici, installer mes assiégeants. Je vais prendre quelques territoires là d'un coup. Là. Voilà. Bon, j'ai un peu d'attrition, j'ai 1% d'attrition par mois, ça va. Ça va en vrai. Non, l'union est de retour à... Oula. Ok. Donc ils ont tous consulté leur père. Mais c'est moi leur père. Non, d'accord. Bon, mais dis donc, Damien, tu as une jolie phrase sur le village, toi. Qu'est-ce que t'es fait? Mais c'est mon héritier en plus, pénalité grave de santé. Terrible ça. Tiens-moi avant-hier. Hop, tourne. Ok, je connais le fameux britonique. Améliorer, on va faire un port. Est-ce qu'il y a d'autres? Je crois qu'on est irlandais. Enfin, les langues qui étaient parlées en Irlande, je sais pas par exemple. Par là, c'est quoi? Le gaélique? C'est que le gaélique? Le nordique, bah oui, tiens, ok. Autant prendre le nordique, ça peut servir. Bon, on joue, dit le comte d'Anjou, tu n'es pas fameux. T'es pas très fort, hein. Un nouvel atout pour le. Ok. Je suis un érudit. Et le trait érudit, ça me donne de l'érudition. Bravo. Probabilité de réussite de complot hostile, probabilité de réussite de complot personnel, croissance du développement 15%. Ah ouais. Là, c'est bien. Bon, la capitale, j'ai bientôt fini le siège, enfin, c'est la capitale de duché. Je vais avoir fini le siège très bientôt. Voilà, j'ai même fait prisonnier le duc. J'ai gagné 26 d'or, bon je suis plus assez après en or. Bon, j'ai pas mal de prisonniers. Mais on va pas se faire avoir une deuxième fois. Je vais plier mes exigences. Salutations, Duc Tiob de Normandie. Que la paix soit avec vous. Vous êtes un meilleur adversaire que je ne le pensais. Afin de mettre fin à cette effusion de sang, je vais accéder à votre demande. Merci. Bon, mais ça fait encore une chier hein, de péons là que je peux. Hop, bonjour. Bonjour, je voudrais de l'argent s'il vous plaît. Merci. Cool. Bonjour, merci à vous. Alors, j'ai débloqué. Ouais, non, je vais les donner à des vassaux par contre, tout ce qui est Angers, Saumur, Nantes, etc. Ok, rançon acceptée. Je vais les valsaliser. Montaigu. Alors, duché, je vais juste faire attention au duché. Et Poitiers. Ouais, ça me fait l'ensemble du duché de Poitiers. Enfin, d'Anjou, je veux dire. C'est Poitiers, ça. C'est Poitiers ou c'est Anjou? Non, c'est Anjou. Ok. Donc ça, je vais le filer. Ça, c'est une idée, ça. À toi, par exemple. Ouais. Je vais lui accorder ce titre.
Ça, je vais le filer à Raoul. Non, un chevalier, un de mes chevaliers, ce sera mieux. Il est sans terre. Illidan, ouais, Illidan, il est sans terre. Hop là, voilà. Alors. Négocier alliance avec le comte d'Amiens, zéro soldat, pas intéressant. Unifier le contrat de votre fils héritier, non, non, ça m'intéresse pas. Et bah voilà. On aura repris notre le comté de Guinness. D'ailleurs. Ouais. Et une partie de la Neustrie. Et du coup, ça s'appelle Orléans maintenant. Ça s'appelle plus. Oui, bah tu m'étonnes. J'ai pris un peu en joue, quoi. Et là, on grandit, mine de rien. On grandit pas mal, hein. Hein, on grandit. Bon, il me faut des revendications. C'est pas tout, mais bon. Demander une revendication. Refus. Pourquoi refus? Ah, oui, ouais. Parler langue italienne, plus 5, ah bien. Par contre, en vrai. Je peux pas usurper. Vous avez seulement 20, 16 sur 24 comtés. Ah, je suis obligé de grandir. Alors voyons voir, je veux quand même checker des trucs. Ouais. Je suis pas dans la ligne d'héritage. C'est pas bien grave. D'ailleurs, il faudra que je les marie, hein, mes gamins. Oh, Navarre dit! Ah bah il s'est taillé un beau morceau. Toulouse, chez l'Aquitaine, il a fondu comme neige au soleil, hein. Bon bah il me faut des revendications supplémentaires. Donc je vais en faire une sur Amiens. Je peux en faire une sur le duc d'Aquitaine. Oh oui. Regardez-moi ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah. Mais pourquoi je peux pas? Voilà, merci. On va déplacer le point ici à ce mur. Et on va se préparer pour récupérer du territoire aquitain. Duché de Poitiers en plus, hein, c'est pas si mal. Hein. Hop. Voilà. Et ça, on le verra dans le prochain épisode. Voilà, alors je vous remercie à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. On continuera nos conquêtes dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Thiom. Ciao!